Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec notre ami le Congo toujours, hein. Pas de changement là-dessus pour l'instant. On se retrouve donc pour notre petite guerre avec l'anglais, hein, rien de nouveau à l'ouest. On m'a fait remarquer fort justement que Aragon pouvait redevenir un allié intéressant pour la fin de la game. Actuellement il est inquiet envers nous, ce qui est un peu normal, hein, on est très gros à côté de lui. On est en train de pousser sur l'anglais, enfin il peut s'inquiéter. Je peux pas m'allier avec lui tout simplement parce que je suis en guerre, mais sinon ça passerait, donc effectivement ça pourrait être une bonne idée, un truc faisable. On m'a également fait remarquer que j'avais complètement oublié Calais, on va donc y retourner de ce pas pour l'assiéger tranquille. Et c'est tout, hein, je crois. On va repasser en vitesse 3 parce que faut quand même qu'on avance un petit peu pour terminer notre rêve. On est en trêve avec la France jusqu'en 43. Oula, on vient de passer à moins 38 brutalement. Hein. On va tout de suite lui mettre un réseau d'espionnage dans la tronche pour faire une petite revendication sur le bout qui nous manque ici, là, à côté du poivre. Sinon, on pille tranquillement le Portugal anglais, hein, ça fait toujours ça de prix. Fallait qu'on jette un oeil aux états peut-être, genre le Bari, c'est dans le coin ça le Bari. On a des états éventuellement gratuits à faire là. Hop 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 hop, 10-22 cet état là. Sérieux? Ah bah oui. Ah bah oui, non mais je regarde même pas les autres quoi. Je prends celui-là. Alors il y a des gens qui gueulent du coup. Fort bien. Fort bien, fort bien. Les ordres. Alors les clercs, on va leur filer un endroit où il y a des impôts. Putain, ils sont balèzes ces provinces, mine de rien. On va leur filer ça. Marrakech. Et les nobles, un endroit où il y a des troupes. Alors ça, c'est peut-être un peu gros quand même. On peut leur donner ça, c'est un état ce truc-là. Ouais, bof. Bof, 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 tout ça est à 0%. Ah, ici, il y a du 45, oui, mais c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un. Ici, on a un 32%. On va leur donner ça, ça suffit pas. J'ai tellement baissé l'autonomie de partout que de toute façon il n'y a plus grand monde, plus beaucoup d'endroits intéressants. Donc on va retourner leur donner quelque chose ici finalement. Bon bah là il y a 3, allez on va leur donner ça, voilà. C'est pour ça de prix. Ah, il est... Oh! Et les Autrichiens qui se pointent, diantre. Je ne les ai pas vus venir. Bon bah on va perdre les troupes. Pause, 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 on se calme. On va perdre les troupes marocaines. Bah tant pis, elles étaient en trop de toute façon. Ici on va remonter un petit coup, non pas ça, la stab. Sorte d'utiliser nos points. Et puis bah puisqu'il faut aller s'occuper de. Nos amis autrichiens vont le faire. Est-ce qu'on peut peut-être se tirer là avant de crever? Oui. De justesse. Ouf, il y a 50 000 autrichiens, 60 000 autrichiens. Ouais, là, il va nous falloir du renfort par contre. Vous. Pointez-vous, on va se poser genre en avare là. Ça permettra de les bloquer quelques temps. Où sont nos armées? On en a deux ici. On va en ramener une autre par là. Ça devrait aider un peu. Là on va amener 80 000 hommes. Ah il a décidé de se concentrer un petit peu là. Le copain il fait un peu moins le con. Ok, eux ils se sont repliés là. C'est une idée de merde. Je sais pas bien ce que vous foutez les gars. Tirez-vous, genre tirez-vous comme ça et puis après comme ça. Voilà. Alors ça c'est quoi? Ulm. Ok, donc là ils sont en mode posage de coronesse. Alors du coup, le fait étant que on a terminé notre annexion. Parce que ça vaudrait pas le coup de faire une petite paix. Genre on prend Gibraltar. Et puis c'est tout. Hein. Le reste c'était vraiment pour le fun. 5000 dessous, non, ça serait cool mais c'est un peu abusé. L'humilier c'est trop, des réparations de guerre ça passe.
Rétrocéder des trucs peut-être. À l'Écosse, l'Écosse peut-être un peu cher, ouais non il veut pas plus. On va prendre un petit peu de sous, histoire d'imposer notre point de vue. Ouais quand même, 1600 quand même. Hein. Et on s'arrête tranquillement là. Parfait. Et donc on a le détroit de Gibraltar du coup, hein, comme ça c'est propre. Et on va rentrer. Alors du coup, une armée qui va aller dans le coin là. Bah vous, vous allez rester là finalement. Est-ce qu'on a des rébellions quelque part? Enlever la pause. Non, les rébellions c'est la teuf, hein, pas de stress avec ça. Donc vous, vous allez tranquillement retourner par là-bas. Grande-Bretagne se prépare à attaquer des trucs, on s'en fout. Ici on a déjà une armée. Mais bon, de toute façon la prochaine guerre ce sera contre Tunis et les Ottomans très probablement. 58 000 hommes à Tunis, on va se poser là. Hop. Ça nous aura permis de refaire nos réserves cette guerre, je sais, c'est un peu ambigu, mais faut le dire. On est en retard du coup diplomatiquement, hein, ce qui ne nous aide pas avec les Pulse. Hein. Mais normalement, ils devraient pas avoir leur indépendance garantie avant un moment. La France a rejeté notre accès militaire, on s'en fout. Ces quelques hommes là, ils vont aller retrouver cela. Alors, on protège notre économie. Bah oui, oui, complètement. Caraïbes, on s'en tamponne totalement, bien sûr. Alors du coup, on va pouvoir renvoyer nos colons. Donc on va renvoyer un mec ici, parce que pourquoi pas. Et on va renvoyer un mec ici. Voilà, parfait. Avec nos sous, est-ce qu'on pourrait pas investir dans des forts? Moi j'aimerais bien un fort à Gibraltar dès que ce sera possible. Ici on a lancé la construction d'un fort, donc ce fort là il va dégager. Par contre, voilà. Ça c'est déjà amélioré, c'est pas mal. Il nous en faudrait un par ici. Celui-là est pas si mal, il empêche un peu le déplacement par là. On a bien de la montagne ici. Ouais, mais le problème c'est que si je le fais là, il couvre pas tout. Bon, on va le poser là, c'est pas grave. Jusqu'ici ça nous a bien réussi de réfléchir à la défense. Ah zut, c'est plein ici. Ah merde, c'est plein. Et ici, c'est pas plein. Ouais, on va le foutre dans le Sahara. Ou alors de ce côté. Ouais bon, pour l'instant on va... Ici sinon. Ouais ici c'est pas si mal. Hein. Bien entre les montagnes là. Allez, on va le mettre là. Ah mais c'est plein aussi. Putain mais la vache, il est développé son pays au mec là. Hop hop hop. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Il y a un fort maintenant. Alors, on a des mecs qui glandent. On va les envoyer ici. En Tunisie, on a déjà quelqu'un. Donc ça c'est pas mal. Pour l'instant, on n'a pas de coalition contre nous. Hein. La seule coalition qu'on avait, c'était Dawassir et elle s'est cassée, je crois. On va vérifier ça. Tunis, c'est quand la trêve? En 46. Ah, on va peut-être pouvoir attaquer la France avant. Avant Tunis. C'est très intéressant. Ici, on va prendre l'alliance avec l'Aragon parce que j'aime bien l'idée. On pourrait aussi garantir son indépendance d'ailleurs, hein. Ce serait quelque chose de tout à fait possible. Mais bon, une petite alliance avec l'Aragon, bon, on va recommencer à faire quelques points de faveur doucement. Alors, on peut prendre une aptitude. Marche forcée gratuite, oui, parce que vu la taille de notre pays, ça va nous servir. On peut également prendre une doctrine, la doctrine on la prend à 300 quoi, c'est quand même ultra rentable. Hein. La vache. Ouais, on prend, carrément. Carrément, carrément. Au niveau tech, on est encore à 50%, donc on a le temps. Largement le temps. Est-ce qu'on pourrait pas taxer des petits points militaires pour aller plus vite? On pourrait faire ça. Et ça, ils vont gueuler un peu, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas pour l'instant.
Ici, c'est 16 000 hommes là. C'est beaucoup de mercenaires. Ok, on les a envoyés là pour faire un petit écrémage si besoin. Au niveau des bateaux, ça c'est des vaisseaux lourds. Non, ça c'est. Ok, ça c'est un bateau de commerce. D'ailleurs, faut que je renvoie mes bateaux de commerce. On va mettre pause. 2 secondes. Toi, tu vas en Côte d'Ivoire. Vous. Côte d'Ivoire. Vous êtes les bateaux lourds. Vous êtes. Non. Vous êtes la frégate, voilà. Et vous allez au golfe d'Aden. Très bien. Ces bateaux-là, ils vont commencer à se recentrer, genre par ici, par exemple. Pour rejoindre leurs potes. Ça, c'est des vaisseaux de transport. Allez, ça va là. Ça, c'est quoi? C'est du vaisseau lourd. Ça va là. Et ça, c'est du vaisseau lourd. Ça va là. Parfait. Voilà, on va recentrer un peu tout ça. Au niveau des limites, on a beaucoup trop de troupes. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est des trucs pour faire de... Pour avoir plus de troupes, tout simplement. Voilà, on va investir un peu là-dedans. Rattraper ça. La Tunisie a réussi à se débarrasser de sa révolution, visiblement. Bien joué. Je t'avais pas demandé d'aller là-bas, toi? Pas là-bas. C'est quoi ça? C'est la Bohème? Ok. J'espère que l'Aragon va pas se faire piétiner par la Bohème, ce serait un peu triste. Ouais, au niveau commerce, ça s'est bien cassé la gueule, hein, nos revenus, je trouve. Bon, après, nos revenus globaux, eux, sont toujours assez gais. Zanzibar 143. Ah oui, non, mais ok, mais c'est pour ça. C'est parce que là, en fait, on voit pas, mais on ramasse 143 Zanzibar, quoi. C'est effectivement la fête. On perd un peu de thunes, bah écoutez, très bien. On va passer en vitesse 4, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ici, vous allez peut-être vous remettre à un endroit intéressant et on va peut-être lancer 2-3 entraînements à droite à gauche. Ça me paraîtrait pas une mauvaise idée. Tous nos commandants sont pris. Donc dire qu'ils peuvent s'entraîner. En avant les gars. En avant les gars, c'est quoi ça? Tidore veut une alliance. Tidore. 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 Bah Tidore, ça n'existe pas. Nom exact, non. Tidore. T'es qui? Je te connais même pas. Je te connais même pas, quoi. Bah du coup non. Je me fais demander une alliance par des gens que je ne connais pas. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Ok, donc là ça s'entraîne, ici ça s'entraîne, parfait. On a combien de commandants? 4, donc on pourrait en prendre un autre. Ce qui n'est pas forcément utile pour l'instant. Donc ici, est-ce qu'on a une armée qui colle plus ou moins à nos trucs? Putain, absolument pas quoi. 26, 10, 5, ah oui, beaucoup trop de cavalerie. Beaucoup, beaucoup trop de cavalerie. Ouais. Alors, comment on va faire? On a besoin de recruter 10 canons. Et là, 10 canons et 9 infanteries. Donc déjà, on va garder les mercenaires, on va faire un truc comme ça. Et puis les 11 000 hommes, ils vont aller s'occuper de la capitale, parce que pourquoi pas. Ici, les bateaux de transport, on les envoie là. Les bateaux lourds. On les envoie là, et je pense qu'il y aura des upgrades à faire probablement. Voilà, 100, bon, ça va. On a encore trop de points, fait chier. D'ailleurs, ces bateaux-là, il n'y a pas besoin de les améliorer. Non. Hein. On a trop de points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces points? Bah, pas grand-chose hein, techniquement. Déjà, on peut peut-être lâcher le focus, ça me paraît pas une mauvaise idée. Au niveau des missions, bon, y a que ça qu'on fera pas, mais à part ça, rien de fou. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la tech? Est-ce qu'elle a déjà été prise? Elle a déjà été prise, donc on ne gagnerait même pas d'innovation si on le faisait.
Ah, on va développer un truc. 50 le Congo, Yaka là, 36. Et hop, c'est parti. Maintenant t'es à 40. Marave en accès militaire, ça fight dans le coin là. Hein. On dirait. Bon allez, ils sont en guerre contre les Ottomans. On va les laisser passer. J'imagine que c'est les Ottomans qui ont attaqué. Ouais, attaquant. Vous vous regroupez. On a découvert un Ottoman, c'est pas grave. Ah, on a ce qu'il faut pour faire notre revendication sur la France. Ah merde, notre diplomate a été découvert à Tunis. On pose deux secondes le temps de voir si on peut faire quelque chose pour ça. Que dalle, bon bah c'est pas grave. Reviens. Toi aussi reviens. Ok. Hop. Pays voisin. Alors, on va claquer des points parce qu'on en a trop. On est parti pour améliorer nos relations avec la France, pourquoi pas. Avec l'Aragon, ce serait peut-être pas mal d'ailleurs d'améliorer nos relations avec l'Aragon aussi. Toujours allié à la France, l'Aragon ? Ouais, toujours allié à la France, hein, donc... Il y a moyen que ça pète si on menace la France, donc on va essayer d'être pote avec eux. S'ils rejoignent pas, ce sera toujours ça de pris. Ici, ouais, on prenait toujours de l'attrition par contre. C'est très con ça. Mettez-vous là plutôt. Ce fort là, c'est peut-être un peu de la merde d'ailleurs, on peut peut-être le dégager plutôt. Voilà. Merci. Ici, on est plutôt bien. Ici j'aimerais bien foutre un fort parce que ça nous permet de traverser en fait tout simplement. Et si ça tombe très vite parce qu'un mec pose des troupes dessus, ça va faire chier de pas pouvoir traverser. Bon là par contre il va peut-être falloir qu'on économise doucement pour notre prochaine tech. Bon, on a du blé à plus savoir quoi en foutre. Est-ce qu'on a rattrapé nos troupes? Pas encore hein. On va faire notre fort ici dès que ça sera terminé. J'ai même pas regardé s'il y avait assez de place d'ailleurs pour faire un fort. Ah merde, on a perdu notre maître instructeur. C'est bien triste. Bah voilà, 10. En plus, c'est des montagnes, c'est parfait. Hop, un petit fort ici. Comme ça, ils se regarderont en chat de faïence. Alors, un conseiller. Modif des réserves nationales, modif de limite terrestre. Ah, c'est pas ouf, mais bon, tant pis. Pour l'instant, on va prendre ça. Alors, on continue de se faire un petit peu de prestige, mais c'est pas dingue. Donc là, ça continue de diminuer. Hein, l'imposer la religion diminue avec le temps, c'est cool. La puissance de l'ensemble des vassaux, oui, c'est bien cassé la gueule hein, depuis qu'on a intégré le Maroc. On va pas te claquer de prestige pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir commencer à l'intégrer tout de suite. Ça disparaît quand là le malus de trucs diplomatiques là. Annexer une dépendance, ça disparaît en 48, ouais ça va. Alors, on peut éventuellement se permettre d'attendre jusque là. Les conversions avancent bien et ça c'est très très cool. Hop, on convertit. Ah merde, on a perdu on a une régence. Ah c'est la tristesse. Il a quel âge? Ouais bon elle va pas durer longtemps la régence du coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un peu d'agitation dans le pays tiens, pendant les quelques années où justement la légitimité va un peu se casser la gueule. Navarre, la vache, Navarre est réapparu, on dirait que l'ami aragonais se fait un peu casser la gueule quand même. Ah, ok, donc lui, ça y est, hérite. Enfin, elle d'ailleurs, pardon. Mais du coup, on a 11 régiments qui se soulèvent, ici. Ouais bah écoutez les gars, veuillez décéder. Alors, comme culte, on va prendre la discipline, notre ami Moirwi qui nous aura bien accompagné pendant toute cette
Oui. On croit en Morar, oui. Pas de souci avec ça. Terre de feu produit du bétail. Attrait avec la France a expiré. Et on est implacable. Ok, plus 2 d'agitation. Comme ça, c'est fait. La trêve avec Russie a expiré, donc ça c'est parce qu'ils avaient cassé l'alliance. Alors, la trêve avec la France a expiré. Menacé de guerre pour Côte du Poivre. Il veut pas. Vous voyez, il veut, mais même pas de loin, quoi. Même pas de loin. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on y aille à la main. Très très bien. Dans ce cas la France, on va y aller à la main. Ouah la vache! Allié à Suède, Hanovre, Dismar, Aragon, Castille, Pays-Bas. Ce pays appartient à l'Empire et Bohème le protégera. Ah la vache! Ah ouais, ça va être un peu la violence là. Mais alors grave la violence même. Ok. Bon. Ça c'est la merde. Ah ouais putain, le nombre d'alliés qu'il a c'est la teuf quoi. Ok. Il nous faut cette foutue province. Donc de toute façon on va pas y avoir le choix, hein. Va falloir qu'on y aille. Après comme d'hab, hein, on a notre bastion africain, hein, le temps qu'il traverse et puis qu'il commence à foutre la merde, voilà. On va du coup améliorer ce fort ici. La Russie, elle est devenue hostile envers nous, hein, normal. Hein. Est-ce qu'on aurait éventuellement des alliés? La Hongrie pourrait éventuellement être un allié, ouais. C'est pas ouf. La Perse pourrait être un allié, mais c'est un allié de merde. La Transoxiane s'est fait défoncer. Le Vijayanagara ou Delhi? Ouais, le Vijayanagara ou Delhi, pourquoi pas. Bref. Franchement, ça fait un peu chier. Bah on va peut-être se lancer dans une guerre d'usure, on va jeter un œil aux opportunités. Si la France et tout, si jamais il y a une autre guerre qui explose dans l'Empire, ça sera peut-être l'occasion de faire quelque chose. Il a quel âge le bohémien là? 47 ans, ouais. Mais. Et on a un mariage. Oh, et un très très bon successeur, une très très bonne reine d'ailleurs aussi. Comme quoi, ouais, alors ici franchement, ici on a vraiment des points, c'est un peu lamentable. Au niveau des techs, on peut peut-être, oui, on peut la prendre cette tech. On va la prendre. J'ai pas fait attention qu'on pouvait la prendre, autant pour moi. Ça va nous diminuer en plus un petit peu plus le malus ici, là, normalement. 88, ouais, ça descend doucement. Ouais, bon, du coup. Comment on nous a quitté? Merde. Du coup. Alors, déjà, la trêve avec eux, là. Ça s'arrête en 48, on a dit, je crois. En 46. Va falloir qu'on observe un peu. Le Ming veut s'allier avec nous. Ah bah oui. Mais oui, mais complètement. On va faire une bonne grosse alliance des familles bien badass avec le Ming. Tout à fait. Viens Ming. Ouh, on est déjà à 74 ici. On peut peut-être calomnier ses marchands. Allez hop, calomnier ses marchands. Ok, bon bah là du coup, autant dire que c'est un peu la merde. Les états pontificaux, il n'y a aucun moyen. Il nous faudra des alliés dans le coin. Aragon reste assez puissant, mais le problème c'est qu'Aragon il va aider la France quoi. Pas nous. pas nous. Bien sûr. Ah, on a encore trop de points, bordel. Développement. Tiens, en plus il y a là, des étoffes, c'est très bien. Hop. Bon, on pourra la prendre, hein, cela dit, mais ça ne m'apporte rien de la prendre à 10% alors que ça m'apporte de développer, donc du coup.
Je garde un diplomate libre pour un mariage royal, oui, pour pouvoir éventuellement déclencher des guerres rapidement. Bah, on va regagner des points de mine du coup. Hein. Parce que j'ai envie de dépenser sans compter. La Grande-Bretagne m'a insulté, ok, très bien. Pourquoi pas? Dans quel état sont les gens là? La Grande-Bretagne est pour l'instant le plus puissant. La France a moins de troupes que nous. Beaucoup, beaucoup moins de troupes que nous. La France et la Bohème sont à peu près à égalité avec nous. À eux deux, ils sont à égalité avec nous. Bon, après, ils pourraient en embaucher plus, hein, mais ils sont à poil niveau réserve. La Bohème, la France et l'Aragon ensemble, ça commence à compter. Et qui d'autre déjà? Hanovre et Dismart, on s'en fout. La Castille. La Castille existe encore. Castille. Non, Castille avec un C. Ah oui. La Castille existe encore, très bien. Et quelle force tu as, Castille? De la merde. Ok, très bien. Donc tu dois exister, mais genre que ça, quoi. Fort bien. Bon, l'idéal, ce serait que les Anglais attaquent dans le dos, un truc du style, quoi. Ou l'Autriche. Enfin, qu'il y ait une petite guerre interne, là. Ça ferait bien plaisir. Il a réussi à passer des réformes. Ah, il y a eu deux réformes, quand même, de passer. C'est pas mal. C'est plutôt bien joué. Parce qu'il a l'air d'être un peu dans le mal, hein. Le Saint-Empire, là, il n'y a plus beaucoup de... Enfin, ils sont un peu tous fusionnés, on va dire. La doctrine, on va la mettre de côté 2 secondes. Parce que là, 10%, on va prendre la tech, bien sûr. À la fin de l'année, là, je pense. Ah, merde, la Russie nous a rivalisé, carrément, quoi. Pause, on va perdre un petit peu d'innovation, donc c'est parti. On prend les techs. Ok, une petite conversion supplémentaire, on continue, ça fait du blé. Ok, donc la Russie nous a rivalisé, carrément. Au niveau des rivaux, nous on en est où? Ottomans, Bohème et Grande-Bretagne, ouais. Plus d'impôts, parfait. Parfait, parfait. Ah, ici, Tunis vient de se faire défoncer le cul. Mais genre bien, je sais pas pourquoi il a pas été avec ses autres troupes, mais bon, ça le regarde. Dawassian nous demande un accès militaire, mais sans aucune raison particulière, donc non. La discorde, on s'en fout, je pense que... Ah, il y a quand même un renversement du gouvernement qui se profile, hein. Ouais, c'est vrai que notre légitimité est pas ouf. De fait, je pense qu'on va augmenter notre stab un petit coup, ça aidera un peu. Indépendance d'Ethiopie, Separatis Jimas, ouais, il y a du monde qui gueule quand même. Ouais, Belly contre la Grande-Bretagne, on s'en fout, on n'a pas besoin. Les Pays-Bas, t'es allé à qui? T'es allé à la France, merde, fais chier. Alors, le truc vraiment intéressant serait de s'allier à la Grande-Bretagne, hein, bien sûr, mais autant dire que c'est pas demain la veille. Ouais, donc là, on commence à voir de la... Ah, c'est encore la Bohème qui a été réélue, malheureusement. On commence à voir des enfoirés de révolutionnaires congolais qui apparaissent. Donc ils vont gueuler, puis on va leur défoncer le cul, tout simplement. Il n'y a pas d'autres mots. On a des armées disponibles un peu partout pour aller leur sauter à la gorge. La France va en accès militaire. Ah, elle est en guerre contre la Castille. Donc déjà on va refuser. Ça veut dire que du coup elle n'est plus alliée à la Castille. Ça enlève vachement de poids dans la balance. Est-ce que ses alliés ont suivi? Non, j'imagine que non. Il n'a pas appelé ses alliés pour ça.
Ouais, tu veux vraiment pas me la donner? Ah, mais est-ce que je pourrais lui acheter, tiens? Ça existe, ça, acheter une province? On peut vendre une province. Est-ce qu'on peut acheter une province? Accorder un prêt. Rompre l'alliance. On va vérifier, mais non, je crois pas trop. On va faire l'inverse, on va aller voir un peu si on peut pas demander à des gens. Lui, il aimerait bien être pote avec nous. T'es pas lié à la France toi? Ah non, t'es ennemi de la France, pardon. Aragon. Rompre l'alliance avec la France, y a pas moyen. Pays-Bas. Rompre l'alliance avec la France, y a pas moyen. La Suède. Suède qui prend ses aises quand même, hein. Rompre l'alliance avec la France, y a pas moyen. Ok, très bien, on s'en doutait un peu. Ici, on peut faire des états. On va regarder un petit peu les états marocains, 3-11, hein, c'est pas dégueu, hein. 5,73, c'est encore moins dégueu. 3,03, ouais. Cet état-là, il y a moins qu'il soit rentable. Ah, 2,96 seulement. 4,75 et ça. On va prendre celui qui est à 5 là. C'était où? C'était lui. C'était lui. Hop. C'est gratuit, hein, donc. J'aimerais bien voir Bahari. C'est où Bahari? Ah, Bahari, c'est ça. Ah oui, effectivement, c'est très très rentable ça. Des gens gueulent. Oui, les marchands locaux, on paye, pas de soucis. Des gens gueulent pour ne pas changer. Alors, les clercs. Les clercs, on vous a déjà donné un gros truc, donc on va vous filer ça. Et les nobles, on va vous filer Garbia. Voilà. Ces cadeaux, ça me fait plaisir. Ouais, plus d'agitation, ça me paraît Tandax en ce moment. Bon, bon, bon. Elle est pas finie la trêve avec eux là? Alors, ici ça s'est soulevé. On va envoyer quelqu'un gérer ça très vite fait. Il nous faudra un autre commandant, mais est-ce qu'on peut se permettre? Oui, on peut se permettre complètement. Hop, il est comment ce commandant? Très très bon encore une fois. Très 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 bon. Donc toi t'es parti, tu vas aller taper là-dessus, parfait. Eux, non pas eux. Eux. La trêve, c'est fini la trêve. La trêve c'est fini. Du coup on va aller te péter la gueule je pense. Comment ça se passerait? Notre ami la Grande-Bretagne viendrait, bon, sans tamponne. Nos amis les Ottomans viendraient, ça par contre c'est très intéressant. On prend la capitale. Aucun de nos alliés vient, on s'en tamponne. Ouais, on va faire ça. Complètement faire ça. On fera ça du coup lors du prochain épisode, parce que cet épisode est déjà bien assez long. Mais on va complètement se préparer à une nouvelle guerre avec les Ottomans. Alors, avec Tunis et la Grande-Bretagne, mais surtout avec les Ottomans. N'hésitez pas dans tous les cas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, pour me dire si vous avez des idées pour battre la France. Je vais devoir enchaîner les deux épisodes donc je ne pourrai peut-être pas tous les lire, hein, et en tout cas y répondre dans le prochain, mais comme d'hab, j'y répondrai à la main ou dans le futur. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.